Allez, salut tout le monde, c'est Rintusha et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de mon let's play. Pas 100, je sais pas si on peut appeler ça un 100%, mais un let's play, on va dire 100% comme on fait d'habitude, sur World of Warcraft. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour du World of Warcraft, enfin. Voilà, enfin du World of Warcraft. Alors je pense qu'on va commencer un petit personnage tranquillement. Alors pour cette fois-ci, pour cette fois-ci, je me suis fait un tout petit compte pour pouvoir filmer. Donc en gros, c'est le compte exprès pour pouvoir vous filmer des vidéos que je me suis fait très récemment. Du coup, voilà. Alors par contre, je suis désolé, enfin, je sais pas si je vais faire ça sur des serveurs français, parce qu'en général, en fait, j'ai l'habitude de jouer avec des Anglais. Du coup, voilà. Je sais pas si je vais faire avec l'anglais ou l'allemand ou français. Je pense pour, je vais commencer par français un petit peu, et puis on verra par la suite. Donc, on va tenter de créer un petit personnage très sympatoche. Alors, je vais commencer par, alors. Je sais pas sur quel serveur on va partir. Alors je partirai peut-être pour du Naxxramas, si vous le souhaitez. Comme ça, si vous voulez me rejoindre, il n'y aura pas de souci. Alors Raiden, si vous voulez me rejoindre, ok, mais par contre, pas de Kikudesk ou quoi que ce soit. Hein. Donc il y a tout Scaled, il manque que Battle for Azeroth que j'aurai le jour de sa sortie. Ou peut-être même un peu avant. Donc parce que voilà, parce qu'il le faut. Du coup, c'est un let's play que j'ai pas appelé leveling. C'est pas un let's play parce que quand on sera niveau maximum, on fera plein de choses encore. C'est un let's play World of Warcraft. Donc on pourra des fois jouer avec un personnage comme on pourra en créer un autre. Ça dépendra. Alors de notre côté, je vais faire une elfe de sang. On va commencer par faire une elfe de sang femelle, donc enfin fille, c'est pas de femelle, je regrette ce que j'ai dit, c'est fille ou femme, sexe fille. En fait, j'ai l'habitude d'un anglais, en fait anglais c'est mâle et femelle, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai l'habitude que de dire en anglais. Ben, c'est pour ça qu'en fait je vous ai dit que je préférais le mettre en anglais. Mais bon, donc alors je sais pas du tout quelle classe on va choisir. Alors j'aimerais bien avoir une classe quand même bien, enfin une classe qui bourrine bien au début, une classe qui permet en gros, ouais, de tanker. Donc il y a plusieurs classes qui permettent de tanker. Il y a le chevalier de la mort, je crois qu'il y a le moine qui peut tanker. Alors on va voir un peu, on va voir un peu moignal. Normalement ils peuvent tanker, je crois qu'ils peuvent tanker, ouais. Du coup il y a moignal, il y a démoniste, qui non, lui il tanque pas. Il y a chevalier de la mort qui peut tanker. Il y a les druides. Il y a la chamane, je sais. Il y a le paladin et le guerrier. Du coup, je pense qu'on va se créer une petite guerrière. Pour commencer. Elfe de sang, voilà. Elfe de sang guerrière. Ou paladin, peut-être. Paladin, ça serait mieux en fait. Donc nous allons créer une elfe de sang paladine. Pour notre premier épisode, donc je n'ai pas chronométré l'épisode, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Du coup, on peut voir que les elfes de sang ont une compétence en enchantement amélioré, peut récupérer des ressources comme de mana ou de l'énergie, peut rendre muets les adversaires proches, résistant aux dégâts aux arcanes. Les majestueux elfes fondèrent Jadin Kaldalas, une splendide cité d'or construite autour d'une fontaine magique appelée Puits du Soleil. Quand le roi Lich détruisait leur capitale au cours de la troisième guerre, les survivants en quête d'assistance se tournèrent vers la Horde. Ayant aujourd'hui pris le nom d'Elfes de Sang, ces réfugiés sont tout ce qu'il y reste de leur glorieuse civilisation. Ils tentent de reconstruire Kaldalas tout en luttant contre une dangereuse addiction aux énergies même qui leur ont trop froid permis de bâtir leur empire. Les paladins ont le rôle de soigner, encaisser et infliger des dégâts en mêlée, protègent les faibles avec une armure lourde, des boucliers et des pouvoirs sacrés, utilisent des armes de mêlée imprégnées de magie du sacré, améliorent le groupe grâce à de la puissance de bénédiction, exemple de technique, bouclier du vengeur, guide de lumière, bouclier divin.
Les bananas sont des combattants qui ont et défenseurs en armure lourde qui utilisent la magie du sacré pour soigner les blessures et combattre le mal. Ils peuvent choisir à se battre avec une arme à deux mains, de protéger avec un bouclier ou de se soigner. Du coup, voilà, on a un petit peu appris à tout ça. Donc, du coup, on va créer un personnage niveau 1, bien entendu, dans lequel on va tout simplement mettre, on va créer notre personnage. Alors, on va peut-être la mettre un petit peu bronzée, non? Bah, à peu près comme ça, non plus un petit peu rose. Voilà, moi, elle n'est pas toute blanche. On va mettre un petit rouge à lèvres, je pense. Ah, elle est pas mal comme ça. Oh, elle est pas mal comme ça. Oh, elle est pas mal comme ça. Une petite coiffure. Attendez, on va mettre une petite coloration d'abord. Alors, il y a plein de colorations. Alors, je sais pas où ça, là, elle est pas mal. Du coup, on va mettre une petite. Ouh, elle est pas mal. On dirait Elsa comme ça. C'est trop drôle. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout quoi faire. Je sais pas du tout quoi mettre. Comme ça a l'air pas mal en fait. J'aime bien comme ça. Ouh, comme ça, elle est pas mal aussi. On va prendre. Oh, je sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est beau. Bon, on va garder ça, je pense. On va garder ça. Il n'y en a pas une autre, peut-être, qui me dirait. Non, vous savez quoi? On va garder ça là. Alors, la coloration, c'est fait. Les bijoux. Des bijoux, alors les boucles d'oreilles, on va mettre des boucles d'oreilles assez discret quand même. Voilà, c'est tout petit, c'est assez discret. Et le nom, on va la nommer. Alors, je sais pas comment on pourrait la nommer, j'ai pas de nom en tête. Delphes de sang, Delphes de sang, Delphes de sang. Faut que j'aille voir sur mon téléphone comment elle s'appelle celle-là. On va aller voir. On va y arriver. On va taper alors Fire Emblem. Je sais plus comment elle s'appelle, Warriors. En fait, j'aimerais bien voir la fille en blonde, la blonde là. Je sais plus comment elle s'appelle. Je trouverais qu'elle irait parfaitement. Ah oui, c'est vrai que si j'ai. D'accord, connexion interrompue. Ça commence très bien. Pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'arriverai pas à trouver, hein. Fire Emblem, Warriors. Comment elle s'appelle le personnage? Le personnage. Alors, les scènes du jumeau Liana. Liana. Dis-moi que c'est pas pris. Liana. C'est déjà pris. Oh! Leina, on va dire. Attendez. Oh putain. Leina. Putain. Pourtant, c'était beau. Leina. 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 Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Et
les mignons et Lena. Elle. Eildeina. Ei. On va taper Ei. Ei. Les minou, allez viens ici. Lei. Putain, je sais pas comment la nommer le personnage. Lei. 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 Na. Leileina. Ah ben voilà. Leileina. C'est fait. Leileina, c'est construit. Bon, écoutez les amis, on y va directement, on va directement entrer dans le jeu. Paladin. Oh mon dieu, le jeu, il a de graves problèmes. Depuis qu'ils ont fait la mise à jour, le jeu, il a énormément de problèmes. Je vous jure que le jeu, il bug énormément. C'est très décevant. Après, il faut modifier les paramètres et tout. Je vais tenter de faire une vidéo de 20 minutes, donc du coup, je pense qu'on va s'arrêter après avoir modifié les paramètres. Comme ça, la prochaine fois, on va bien pouvoir reprendre correctement. Les années passées ont vu des bouleversements sans précédent pour les terres éternelles de Kel'Thalas. Les elfes de sang, suivant les ordres de leur chef dément Kael'thas au soleil, ont puisé dans les énergies magiques du chaos pour transformer leur puits de soleil en portail maléfique. Kael'thas et ses maîtres démoniaques ont été vaincus, et c'est une autre transformation qu'a connue le puits de soleil, grâce au sacrifice d'un Naharu qui a donné sa force vitale pour réanimer le puits comme fontaine d'énergie sacrée. Aujourd'hui, le régent des elfes de sang, Lortomar Théron, voit poindre un nouvel espoir pour son peuple. Avec le temps, la lumière du puits de soleil pourrait guérir les elfes de sang de leur malédiction. Mais beaucoup hésitent à renoncer au pouvoir qu'elle leur confère. Vous comptez parmi les rares elfes de sang survivants, et devait combattre pour protéger Kel'Thalas et racheter l'âme de votre peuple. Voilà les amis, plein de choses ont été modifiées. Alors déjà, on va directement commencer. Alors déjà, pour être au courant, je vais... D'accord, ce n'est rien, j'ai reçu une notification. Je vais commencer par modifier mes actions et tout. Donc le système, on va mettre raccourci ZA. Déplacer et manœuvrer, esquive gauche, H et attendez, H, j'ai comme ça, moi je vais pouvoir esquiver à gauche et à droite, s'asseoir, aller vers le bas, dégainer, ranger l'arme, W, course automatique. Lancer la course, regarder vers le haut, courir et marcher. Du coup voilà, discussion, entrée, barre d'action, du coup 1. Bon bref, on verra. Ciblage, menu, divers, musique, caméra. Après, nous allons voir les interfaces. Fouille automatique. Barre d'action. Barbare. Euh,
Du coup, toujours que j'ai. Temps de recharge un chiffre. Non. Collision avec l'eau. Non, mon nom. Affichez-le mon nom. Bestiole et mascotte. Barre d'infos plus grande. Utiliser une barre d'infos plus grande. Je sais pas, ça me servira à quoi. Afficher des ressources spécialisées de la cible. Toujours afficher les barres d'infos. Ah, c'est ça en fait. D'accord. Collision avec l'accessibilité. Probabilité de raid. Afficher un pavé de déplacement. Non, barre d'action. Social. Affichage, rotation d'une carte, texte d'état, bulle de dialogue, tous, nombre, les deux, voilà les deux. Mignon, que tu veux. Un cercle, un contour, brillance, non. Je crois que c'est tout les amis. Je suis en train de vérifier quand même, hein. Mais normalement ça va être tout. D'accord, mon chat il a fait que des conneries derrière. Ça a l'air d'être bon, avancer. Normalement c'est bon. Faites un clic droit sur le personnage, enfin sur le point d'interrogation, enfin d'exclamation pardon, pour obtenir votre première quête. Que voulez-vous ? Alors, la requête de l'île du soleil. Plutôt vous commencerez votre éducation, Leilena, c'est mieux ce sera pour nous tous. Nous avons guère de place pour l'erreur, alors écoutez-moi attentivement. Les cristaux ardentes, les objets verts qui flottent à l'ouest de la flèche solaire, nous ont longtemps servi à alimenter les expériences de l'île. Les Iwin, les Irwin de Mana étaient leurs gardiens. Mais lorsque le fléau a envahi Kaltalas, nous avons perdu le contrôle. Avant de le reprendre, nous avons diminué le nombre. Lorsque vous y serez parvenu, revenez me voir. Il y a mon chat qui fait des bêtises derrière. Et stop, monsieur. Non, stop. Tu manges pas ça. T'es fou toi. Non, j'ai les piles, monsieur, il est niqué. Donc, avant de reprendre, nous devons diminuer leur nombre. Lorsque vous y serez parvenu, revenez me voir. Tu es si ou Rintamana, il se trouve près des cristaux ardates, non loin de la tour de la baie Verder, ainsi que 50 pièces de cuivre avec bottes en plaque verte et 120 d'expérience. Ouvrez la carte en appuyant sur moins. Attendez, non, mais je préfère largement voir comme ça. Oh oui. Indiquez votre position, allez dans la zone bleue pour trouver vos objectifs de quête. Donc c'est ici. Donc là regardez, c'est tout Azeroth, donc Azeroth. Et normalement il y aura les îles brisées, mais qui ne va pas s'afficher. Voilà. Les îles brisées, Kultira, Zandalar, la nouvelle extension. C'est fou. Du coup les amis, ben, je pense qu'on va s'arrêter là quand même pour cette vidéo. Je sais qu'on n'aura rien fait. Tout pas touche, hein, les fils, non. On va s'arrêter là, les amis, pour cette vidéo. Parce que voilà, ça dure très longtemps, cette vidéo. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo, les amis. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos, les amis. On se dit, normalement, peut-être demain ou après-demain. Pour la deuxième épisode. Donc, deuxième épisode, on commencera bien le jeu et tout, les amis. Ne vous inquiétez pas. Donc, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Et peace.